Salut à tous et à toutes, c'est Ascomat, nous voici aujourd'hui sur Watch Dogs. Il est sorti donc le 27 mai 2014. Il est développé par Ubisoft Montréal, édité par Ubisoft. Il est sorti sur Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4, Wii U et PC. Donc ça c'est les informations du jeu. C'est pas les infos. Je vous donnerai ensuite les informations personnelles, enfin mon avis par rapport à Watch Dogs. Donc il y a un truc que j'aimerais vous incarnez un hacker qui doit pirater quasiment toute la ville pour des missions principales plus ou moins et des missions annexes, des missions secondaires. En fait j'avais précédemment fait une vidéo il y a 2 jours. Le problème c'est que j'ai remarqué que pendant quasiment toute la vidéo, vu que j'arrêtais pas de rouler avec le moteur de la voiture, on n'entendait pas du tout ma voix, donc j'ai dû la recommencer hier. Hier j'en ai refait une, j'ai trouvé moins bien parce que je vous ai pas donné beaucoup d'informations par rapport à Watch Dogs, tous les trucs qu'il y avait et tout, mais le problème c'est que c'est tellement gros, il y a tellement de choses à dire et tout, il y a tellement de possibilités dans Watch Dogs, il y a trop d'informations et en une vidéo ça va être vraiment tendu. J'essaie de faire bref. J'aimerais juste souligner un truc, c'est que j'ai voulu chercher la voiture Dominator, enfin comme Dominator, la Ford Mustang, en général moi j'aime bien les Ford Mustang, donc c'est pour ça que je voulais commencer cette vidéo avec la Ford Mustang. Le problème c'est que j'en ai trouvé une autre qui ressemble plus ou moins à une Ford Mustang, donc moi l'avant d'une Mustang, mais l'arrière, moi je dirais l'arrière d'une Buffalo dans GTA V. Je vais vous dire que je vais pas faire de let's play dedans parce que c'est pas mon kiff et il y en a tellement beaucoup qui le font, je pense que ce serait inutile de le faire. Et comme généralement je me prends la tête à faire des let's play, à m'énerver et tout, c'est pas comme GTA V, la dernière mission de GTA V où je me suis quasiment énervé dessus. Je vais pas vous en proposer parce que si je galère à faire un truc et puis que de toute façon je vais galérer et tout ça pour faire. Sinon, par où commencer, je sais pas, on va dire par la mission principale. Donc vous avez la carte elle est comme ça en elle-même. Donc vous avez le sud-est. Bon elle est pas très grande non plus, hein, mais bon ça c'est le serveur enfin le CTOS qui est pas encore activé. J'ai quasiment tout fait sauf la zone là. La zone là elle est vraiment dure pour l'instant. Faudra que je le refasse. Peut-être pas en vidéo, mais je le ferai hors antenne. Plus tard. Donc en fait vous commencez déjà normalement dans cette ville où il n'y a rien qui est débloqué bien sûr. Et plus vous avancez dans le jeu, plus vous avancez dans le dans l'objectif principal et dans les missions annexes, plus vous débloquez la carte. Ensuite avec le centre CTOS que vous débloquez, vous pouvez pirater les gens et en plus de ça vous avez quasiment le contrôle dans toute la ville. Ensuite vous avez les systèmes dont les tours CTOS, c'est pour les activités, les points d'intérêt autour de les intérêts autour de je sais pas d'où, mais autour de cette ville là. Vous avez des contrats de fixeurs, bon, j'aime pas trop ça, c'est pas trop mon kiff. C'est pour ça que j'ai dû supprimer le truc en ligne tout à l'heure. J'ai voulu faire ça mais ça m'a un peu saoulé, enfin tout à l'heure hier j'ai voulu jouer un peu pas en ligne mais en fait j'étais en pleine partie solo tranquille et en fait comme j'ai mis intrusion en ligne, oui, le truc c'est que c'est un peu de la merde parce que j'étais en train de voir pour ouais, de m'amuser, de faire des stunts et tout, enfin, des stunts de merde, mais bon. Je suis en train d'aller où comme ça, moi. Et il y a un mec qui a retrouvé ma trace en ligne et il a voulu me pirater, enfin, pirater dans le jeu, bien sûr. Et puis donc, bon, ça m'a un peu saoulé, j'ai pas pu m'amuser et tout, donc là j'ai supprimé, on peut pas me faire chier. Donc je suis tranquille, et c'est pas trop mon kiff de jouer en ligne, je préfère plus la campagne, c'est plus dans. C'est comme GTA V, je préfère plus la campagne que le multi. Enfin,
Peut-être le multijoueur aussi, mais bon, ça dépend dans certains jeux. Comme, je sais pas, je vais vous dire, dans quasiment tous les jeux que j'ai, je joue quasiment jamais en ligne. Je préfère plus la campagne ou le solo, c'est plus amusant. Donc, bref, je vais revenir à Watch Dogs. Donc, niveau stun, vous pouvez pas en faire beaucoup. Vous pouvez même pas en faire du tout, même. Vous allez faire un petit stun comme ça, mais bon, il n'y aura rien de plus. Je vais essayer. Pas que je prenne un poteau. Je vais vous montrer tout de suite de faire un petit stunt là, si j'ai assez d'élan bien sûr. Sinon ça va pas le faire, moi je vais le faire là. J'aurais dû prendre un pickle, ça aurait été plus vite. C'est pour ça, juste pour aller. Je suis en train de prendre la vie et tout. Donc vous, je termine. Donc vous avez les jeux de hasard, vous avez plein d'argent, dollars et tout. Vous avez des mini-jeux, vous avez des escorts criminels, des contrats de fixeurs, donc ça c'est les plans que vous pouvez avoir quand vous avancez dans le jeu. Les jeux urbains, des paris, genre le boule avec le gobelet. Vous avez des enquêtes, des codes QR, des commerces pour acheter, des commerces, enfin des pharmacies pour acheter des soins pour vous soigner et tout. Des points d'intérêt pour savoir... l'histoire de Chicago, éléments de fabrication pour fabriquer vos trucs un peu comme, moi je dirais c'est à peu près comme comme State of DC où vous pouvez améliorer votre vos accessoires enfin voilà en fait genre si vous êtes bloqué avec imaginez vous allez prendre la tour CTOS et là vous avez des ennemis, vous savez pas comment faire à moins d'aller comme un bourrin. Mais bon, moi personnellement c'est pas mon truc, je préfère envoyer des objets, les attirer et ensuite les tuer. En plus je suis pas du tout un mec super comment j'allais vous dire ça, en fait je vais pas à la bourrin en fait, parce que si je vais à la bourrin je vais vite avoir les flics et ça va pas le faire. Mais avoir souligné un truc aussi, c'est que genre quand vous êtes descendu de votre véhicule, que vous êtes à pied en solo, bien sûr comme ça, vous pouvez mettre de la musique, même si vous êtes à pied, ça c'est pas mal, parce qu'au moins au lieu de vous faire chier à entendre le bruit de vos pas ou le bruit des voitures, au moins vous pouvez entendre directement le bruit en général de la voiture. Donc, dès que vous êtes dedans ou à l'extérieur, c'est pareil, vous pouvez entendre la musique. Niveau par rapport à GTA, moi je voudrais faire un petit truc dessus, c'est que j'ai fait quoi, il est tout petit, j'ai pas remarqué. Ah non d'accord, il était, il y a un mec là-bas, j'ai vu qu'il était tout petit, j'ai pas compris. Comment je vais vous dire ça, donc en fait dans GTA 5, dès que vous entrez dans votre véhicule, il va attendre, enfin vous allez attendre 3 secondes, 3-5 secondes avant de pouvoir démarrer, alors que dans Watch Dogs, vous pouvez démarrer dès que vous êtes monté dedans, vous pouvez démarrer. Donc ça c'est un peu ça m'a un peu déçu. Je pensais que ça aurait été pas mal de laisser un petit temps d'attente avant de pouvoir rentrer dans votre véhicule. Bien sûr c'est concurrence à GTA 5, mais c'est pour vous dire. Mais de toute façon dans la vidéo je comparais Watch Dogs à GTA 5 parce que c'est plus ou moins le même jeu. Enfin plus ou moins ce que vous pouvez faire en fait. Alors en fait pour drifter, si vous voulez savoir, il n'y a pas à faire B pour faire le frein à main. Vous avez juste à aller de gauche à droite avec le joystick et à freiner pour faire des drifts en fait. Oui, ça drift tellement bien que j'ai un peu de mal. Là, je sais un truc, je sais pas si c'est possible. Je vais essayer de prendre de la vitesse. Pardon. Et niveau collision et tout, j'aimerais juste faire un appel dessus. C'est que, enfin, un avis vraiment, bon, il est bien, vraiment, franchement, il est bien. Watch Dogs, bon, il est un peu dur. Les missions sont un peu dures et compliquées, mais bon, à part ça. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus ce que je vais dire. Niveau. Bon, je reviendrai plus tard, je sais plus trop ce que je veux dire.
Je sais plus, bah là je bloque complètement, donc attendez, je crois. Non, normalement j'ai noté quelques trucs. Ouais. Ah, niveau burn. Alors niveau burn, j'aimerais juste vous montrer. Par rapport à GTA V, franchement, il kiffe. Donc en fait, je vais vous montrer niveau burn. Franchement, bon, c'est sûr, ça vaut pas GTA V. Mais franchement, il y a quand même un beau truc. Un bon burn. Après, je sais pas si à force de le faire, je sais pas si les pneus éclatent ou quoi. Si c'est assez stylé ou pas, je sais pas. Je pense pas. C'est quand même pas mal. Et voilà, ouais, ce que je veux dire, c'est que niveau collision et tout, franchement, ils ont. Je sais pas, hein, je sais pas, GTA déjà. Parce que quand vous rentrez dans un véhicule, déjà là, je l'ai frôlé, lui aussi. Dès que vous le touchez, vous avez carrément le pare-choc avant qui s'enlève. Bien sûr, avec certaines compétences, vous allez pouvoir améliorer votre véhicule pour moins subir de collisions et tout. Mais c'est pour dire que même si, en fait, quasiment dans tout le décor de Watch Dogs est destructible. Vous pouvez quasiment tout détruire. Oh, stun là. Enfin, bien sûr, les buissons, détruire un buisson, ça il faut y aller. Mais c'est pour dire, vous pouvez quasiment tout détruire. Alors, tout ce qui est du. Mais même en moto, je vais essayer de prendre une moto, hein, enfin, si j'arrive. Oui, dès que. Je sais plus, merde, je suis perdu là dans ce que je voulais dire. Ouais, quand vous êtes en moto, dans GTA V, vous mangez un poteau, vous mangez vraiment le poteau, hein, vous cassez vraiment la gueule. Alors que là, dès que vous êtes en moto et que vous mangez un poteau, c'est le poteau qui s'enlève. Voilà, c'est fait. Donc, juste aller. Non, c'est pas ici. Je vais aller ici. Donc, vous pouvez suivre avec la touche des restaurants haut de votre manette. Vous pouvez aller dans votre progression pour savoir comment ça avance et tout. Je suis à 4%, 7 parce que j'avance pas beaucoup. Ça c'est les différents thèmes, genre ça c'est les missions principales en jaune, en bleu c'est les missions secondaires, en gris c'est les enquêtes, les collections, enfin les collections, les collectors, violet les contrats en ligne et les mini-jeux. Voilà. Vous avez les statistiques de votre jeu. La réputation que vous avez, le contrôle du site iOS, argent et objets de valeur, compte bancaire piraté non fonctionné, d'accord, j'en ai à 2, 7280, d'accord. Sinon, vous avez les compétences que je vais vous montrer ici. Donc, compétences, donc vous avez piratage, combat. Objet fabriqué et conduite. Donc conduite, j'ai quasiment rien fait parce que c'est pas trop mon kiff la conduite. C'est plus le piratage que je me suis pris parce que c'est pas mal. Genre, quand vous avancez dans le jeu, vous gagnez de l'expérience même. Quand vous neutralisez quelqu'un, vous allez pouvoir directement gagner 200 à 300 XP. Si vous le neutralisez, si vous le tuez, vous allez gagner moins. Donc dans le piratage, installation électrique, donc vous pouvez surcharger les installations électriques, pirater les contrôles ferroviaires, donc le métro, dès que vous le voyez, si vous êtes attrapé par les flics, vous l'actionnez, et comme ça vous allez pouvoir vous barrer en pleine action. Les transformateurs, qui est pas mal, parce que regardez, vous allez pouvoir faire vraiment un truc destructrice, dès que ça aura pété, voilà, ça s'est pété, c'est nickel. Après, quand tout est activé, je pense que je referai une vidéo dessus pour faire un petit let's play de quand tout est fait, enfin, quand tout est actionné, quand tout est, enfin voilà, quand tout marche, quand j'aurai tout débloqué, je referai souvent un let's play. Vous avez les feux de signalisation, vous pouvez pirater, les barrières et barrages, ça c'est pas mal. Moi j'aime bien tout ce qui est. Enfin, j'aimerais bien plus ou moins dans la vraie vie comme ça pour t'amuser et tout de mettre enfin de voilà de pirater les ponts les trucs, franchement ça pourrait être bon pas mal, c'est sûr c'est un peu
catastrophique niveau accident, mais bon, voilà, c'est. Moi, je kiffe les genres de jeux comme ça. Donc, vous allez les ponts, vous pouvez pirater en ayant le. En ayant bien sûr la compétence. Hélicoptère désactivé. Vous avez les herses aussi, les bornes que vous pouvez actionner. Les herses routières qui a l'air pas mal, faudrait que je prenne ça plus tard. Ensuite, il y a un truc qui est pas mal, c'est en kit d'outils de hacker, quand vous piratez des comptes, au lieu que vous aviez, ça leur est ce que j'ai. Au lieu d'avoir 780 $, vous allez pouvoir augmenter la quantité d'argent obtenu lors du piratage des comptes bancaires via les distributeurs. Ensuite, plus vous avancez, ils disent les cellules peuvent vous rapporter de grosses récompenses, clés système, comptes bancaires lucratifs, véhicules, etc. Et plus vous avancez, et plus vous allez augmenter encore davantage la quantité d'argent obtenu lors du piratage des comptes bancaires via voilà. Quel est le distributeur? Le combat, donc ça c'est le combat. Pour l'instant je me mets plus en furtif et tout parce que c'est plus mon kiff. Le focus, c'est un peu comme Franklin, le focus critique et tout. Vous pouvez actionner en appuyant sur le joystick analogique droit. Comme j'ai tellement l'habitude de regarder en arrière, je fais toujours la même erreur de regarder en arrière avec ça, mais ça marche pas, donc c'est avec A. Comme les touches, ils ont complètement changé. C'est un peu con ça. Je vais sûrement me faire une attaque de gang ou quoi pour vous montrer un peu le. Parce que, à moins de parler et tout, à moins de savoir et tout, je pense que ça va peut-être vous saouler. Bon. Après, c'est les informations du jeu. Je referai sûrement. Juste après, je referai sûrement. Les mini-jeux, déjà, je vous ai. Je referai. En fin de vidéo, je vous montrerai un mini-jeu qui est pas mal, c'est le Spider Tank. Que j'ai tout déverrouillé dedans parce que j'ai joué non-stop quasiment hier. J'ai amélioré toutes mes armes, donc je vous montrerai ça en fin de vidéo. Dans les 5 minutes en fin de vidéo donc. Donc l'arbre de compétences, statistiques, guide de DedSec, le classement en ligne, la session en ligne que vous pouvez jouer entre amis, les applications de contrat en ligne, les véhicules à la carte que vous pouvez acheter, donc bien sûr. Il faut pirater des comptes pour avoir de l'argent parce que c'est assez cher en général, c'est 20 000 $ et tout. Vous avez du lourd, donc lourd tout ce qui est camombène et tout. Les motos, vous en avez 5. Les muscle cars, pardon. Oh, je baille parce que j'ai pas dormi de la nuit, mais bon, pour ça. Non, c'est celle-là, Vesper de 5.2. De la Ford Mustang, je crois que c'est celle-là, je suis pas sûr. Ok, ensuite les sportives. Ah là, Luciano, j'aimerais bien l'avoir, elle est pas mal quand même. Elle a l'air bien. Les tout-terrains, donc les catettes, les pick-up et tout. Et les économiques, ceux qui avancent pas. On va dire ça. Ensuite, les contrats de fixeurs. City hotspot, je sais pas ce que c'est. Récupération d'éléments. Ah d'accord, c'est tout ce que vous avez fait pendant la partie. D'accord. Ensuite, les challenges, d'accord. Les cash run, c'est des mini-jeux. Le NV2H ou NV2N, je sais pas ce que c'est. Et le Tripnum, c'est les mini-jeux que vous pouvez les mini-jeux que vous pouvez jouer, bien sûr. Donc je vous montrerai ça Spider Tank en fin de vidéo, bien sûr. Vous allez pouvoir admirer l'œuvre de. Franchement, vous allez pouvoir taper des barres sur. Enfin, taper des barres, vous allez vraiment. Ce sera vraiment un gros défouloir du jeu. Enfin, vous allez vraiment pouvoir vous amuser dans le mini-jeu. Moi, j'aimerais juste faire un petit clin d'œil à Squeezie. J'ai vu sa vidéo de Watch Dogs et sur le coup, bah. Niveau Spider-Tank, franchement, je savais même pas qu'il y avait un mini-jeu comme ça. Donc c'est plus ou moins grâce à lui parce que j'ai vu sa vidéo et j'ai vu le gros truc que vous pouviez faire. Donc c'était vraiment énorme. Je vais juste vous montrer un truc, c'est que moi, en étant furtif, je me suis pris le silencieux
L'arme silencieuse, bien sûr. Ensuite, il y a la petite mitraillette. Moi, j'ai jamais essayé puisque je tire jamais avec. Et vous avez le gun normal. Voilà. Vous avez le fusil à pompe que j'ai pas. Je l'ai pas acheté du tout. Je l'ai pris directement dans le. Non, non. Je l'ai pris directement dans le. Enfin, en faisant des missions et tout, donc je l'ai pris directement. Ensuite, les grenades à fragmentation, j'ai jamais essayé, j'ai toujours pas essayé. Vous avez le SVD que j'ai pas acheté non plus, c'est dans la mission. Le brouilleur, enfin brouilleur j'ai tout. Vous avez le STP-11, c'est un genre de mitraillette. Voilà, la K-47. Moi je me demande où j'ai foutu mon. C'est pas normal. Ah voilà, je me suis pris un Uzi. Oh vache. Je me suis pris un Uzi silencieux. Je vais attendre d'avoir les filles, comment faire un peu de plus d'action là. Je vais balancer une petite patrouille de police, vite. Centrale à toutes les unités, je lance un scan CTOS. Je vais pas non plus gâcher mes balles là-dedans, mais c'est juste pour voilà, pour que ça me gère un peu. Centrale à toutes les unités, le scan CTOS a repéré et marqué le suspect. Donc en fait, je vous explique, quand vous êtes repéré, vous pouvez vous cacher dans la voiture directement, genre imaginez-vous, genre vous allez dans une ruelle, vous vous cachez, généralement les flics ne vous voient pas, à moins d'être vraiment en plein milieu d'eux. Et à la fin, quand vous êtes plus recherché, vous avez un scan. Alors le scan, le problème c'est que si vous êtes dans une zone, vous êtes caché, enfin soi-disant caché, eux vous retrouveront avec un scan, c'est un genre de scan thermique je pense, et ils vous retrouveront facilement. Ça il a quand même un tunnel là. Je vais activer des trucs et tout pour essayer de les retarder. Oh, j'avais un truc que je pouvais faire. Si je reviens en arrière, j'ai. Sérieux, il faut des trucs de fou, c'est un truc de fou de mal. Stop, arrêtez-vous. Il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est quand vous êtes entre amis, vous pouvez. Vous pouvez jouer sur tablette apparemment et vous empêcher d'aller à la fin de. Enfin, vous regardez la vidéo de Squeezie, je pense que c'est la meilleure façon de savoir comment il faut faire. Bon, je ne fais pas de, bon, je fais pas de la pub, mais bon, c'est comme un de mes youtubeurs préférés. Avec Cyprien, bien sûr. On va lui rentrer dedans. C'est plutôt, ouais, c'est plus les vidéos qu'il fait, les choses, c'est normal. Donc, dédicace à toi, bon, je pense pas que tu regarderas la vidéo. Les abonnés de Squeezie regarderont peut-être la vidéo là, donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit, hein, par... Central, est-ce que les autres unités l'ont en visuel? On va faire un petit carnage, là. Attention, une voiture de patrouille s'approche de la position du suspect. Central, je signale un 4. Oh, il est pas mal, là. On prend la poursuite. Un hélico, 3 étoiles, étoiles. Moi j'appelle ça des 2 étoiles, je peux pas vraiment savoir ce que c'est. J'ai l'impression qu'il n'y a plus à avancer là. Ça va pas le faire du tout. Attention, plusieurs unités sont en route vers la position. Je vais juste parler assez fort parce que comme je vais pas non plus recommencer à chaque fois la vidéo, je vais faire une dédicace à Buffy 1386, je vais faire une vidéo multijoueur sur Watch Dogs. J'essaie de vous présenter le. Même s'il y en a beaucoup qui l'ont fait, je vais essayer de le faire avec lui et puis on verra ce que ça donne. On va bien s'amuser. De toute façon, je pense pas que j'arriverai à supprimer les flics là, parce que. Ouais, ils sont partout. Alors, les flics, j'ai mis en facile parce que en difficile, c'est assez chaud. J'ai essayé en normal, mais déjà en normal, c'est chaud. Oh la vache, la voiture, j'ai clé.
pas ce que ça fait quand vous faites arrêter. Central, je sais pas tout comment on ça fait perdu. Et tout. On laisse tomber. Ah bon, ils m'ont déjà. Des débordements meurtriers ont eu lieu la nuit dernière à Vremont. Ce quartier est connu pour ses flambées de violence. Plusieurs membres des Viceroy s'affrontant pour prendre la tête du gang. Rien ne permet de penser que ces règlements. Spider Tank là pour vous montrer un peu le kiff. Je crois que j'ai à peu près tout dit, hein. Si j'ai oublié des choses, je vous le noterai avec des notifications sur ma chaîne. Attention, donc, à toutes les unités, priorité 1, un véhicule militaire blindé a été repéré dans une zone à forte population. Vous êtes... Faites le maximum dès que vous allez voir ça, pertes. Franchement. C'est dingue. Je vais tout améliorer dessus, hein, je vous le dis. Ça tire vraiment tout ça. Le niveau max atteint. En fait, vous devez donc vous sauter donc, avec A. Donc au début, donc votre. C'est un peu. En fait. Au tout début du jeu. Quand vous n'avez rien, vous êtes niveau 1, vous avez votre blindage qui est pourri, donc vous pouvez vous faire feu en 3 secondes. Mon blindage là, il est en titane, donc il est blindé quasiment. Donc quand vous commencez, vous n'avez rien du tout. Ensuite, vous avez. Je vous montrerai là, les compétences que vous avez. Donc niveau arme, au début vous avez une mitrailleuse lourde de merde. Donc là, elle a été changée. Ensuite, vous allez pouvoir faire des sauts beaucoup plus haut. Enfin, beaucoup plus haut, non. Vous avez plus de puissance. Je vous dirai ça dès que vous verrez les compétences. Parce que là, c'est plus haut. Vous avez une sorte de. Vous pouvez tirer, ça passe super mal. Donc vous changez avec LB. Voilà, ça fait un PP. Si vous voulez avoir une petite astuce, si vous regardez bien sûr la fin de la vidéo, vous prenez dès que vous avez amélioré les obus du canon de votre araignée, vous faites tout le temps ça, vous faites tout le temps. Vous tirez tout le temps avec les obus, vous allez y avoir. 5000 d'expérience. Alors ça c'est pas mal quand même. Vous allez avoir 5000 d'expérience, enfin de points, donc c'est pas mal. Et puis ça monte en général assez vite. Donc vas-y, je fais un petit kamikaze en araignée là. Donc en fait, plus vous avancez dans le jeu et plus vous allez devoir avoir, en fait vous allez avoir des objectifs donc à accomplir, comme là au début il fallait détruire genre 4 véhicules, ensuite là il faut que je détruise une balise ou un satellite. Là, donc vous avez réussi 10 000 de points. Ensuite là il va y avoir, donc j'ai terminé déjà à fond, hein. Mon score je crois que c'est 1 250 000 environ. Là je dois détruire un camion blindé, donc, je vais prendre le but qui tire assez bien. En général il spawn toujours au même endroit, hein, le camion. Il va passer là normalement. Oh joli, j'ai. Oh bah lui il a mangé. Je pensais pas que je pourrais l'avoir, mais c'est bon. Donc, de toute façon je referai le mini-jeu dessus, je referai demain quand je serai sûrement dessus. Donc voilà, moi je m'arrête là. Apparemment. Voilà. Allez. Salut, j'espère que la vidéo découverte de Watch Dogs vous aura plu. Allez, salut !